Bonjour, alors voilà, comment ça s'est passé pour moi avec le groupe Confiance? Je crois me souvenir que j'ai été appelée par Monsieur Pierre Corbet, parce que initialement j'avais été appelée par d'autres organismes de placement de biens immobiliers, j'avais toujours refusé, et là Monsieur Corbet a été assez délicat, pas insistant, donc j'ai accepté un rendez-vous. Il m'a rappelé, en respectant bien mon planning de disponibilité. On a eu un premier rendez-vous assez long, téléphonique, d'à peu près 1 h 30, où il m'a expliqué, en gros, en théorie, ce qu'était un investissement Pinel, ce à quoi ça donnait comme avantage. Il m'a demandé d'y réfléchir, et il m'a demandé s'il pouvait me rappeler ultérieurement. J'ai dit oui, donc il y a eu un autre rendez-vous, où là, on est rentré un peu plus dans le vif du sujet avec mes données financières, ma feuille d'imposition pour savoir ce à quoi je pouvais prétendre. Et puis voilà, par succession d'un rendez-vous téléphonique, il m'a proposé plusieurs biens compte tenu de mon budget. Et puis ce qui a été très bien, c'est qu'à chaque fois tous ces rendez-vous étaient suffisamment longs pour que je comprenne et je puisse poser toutes mes questions. Mais ce que j'ai trouvé très bien, c'est que alors que j'étais vraiment prête à signer, un jour j'ai eu un très gros coup de stress et en me disant non, je ne vais pas le faire. En fait, c'est un trop gros investissement, je ne vais pas plonger. Et donc, j'ai appelé M. Corbet en disant, mais en fait, je suis désolée, ça fait déjà 8 à 10 heures d'entretien qu'on est ensemble, mais je ne vais pas le faire. Et il n'a pas du tout été insistant, il m'a dit, mais si vous ne le sentez pas, ce n'est pas un achat anodin, ce n'est pas une baguette de pain, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Et donc, ça m'a vraiment rassurée qu'il ne me force pas la main. Et donc, c'est moi qui l'ai sollicité à nouveau en lui disant, écoutez, est-ce qu'on peut tout reprendre au début? Et est-ce que vous pouvez refaire des simulations, plusieurs simulations avec un prix de vente décoté, des simulations en disant que si je revends mon bien dans 10 ans avec moins 25% par rapport au prix d'achat, est-ce que j'aurais quand même gagné un peu d'argent ou en tout cas pas perdu d'argent? Il a pris ce temps avec moi et du coup ça m'a vraiment rassurée. Et donc j'ai fini par plonger, j'ai fait un investissement il y a maintenant un an je crois. Et là, aujourd'hui, je viens de découvrir mon petit appartement. Et voilà, et ça me plaît bien. Et j'espère que la gestion, la location va bien se passer. Mais en tout cas, pour l'instant, avec M. Corbet, ça s'est passé très bien, en confiance et avec beaucoup de détails et d'explications.